Beauté les amis, votre meilleur go est de retour et aujourd'hui j'ai envie de vous faire découvrir Gênes. Gênes, c'est à une dizaine de kilomètres de Pointe-Noire et on a la côte qui est vraiment magnifique. On a aussi quelques lacs d'ailleurs qui sont vraiment à visiter. Pas facile, hein? Et dans les environs, on peut trouver quelques établissements touristiques comme des restaurants, des hôtels. Donc c'est plutôt pas mal de venir ici et de se relaxer. Je vous laisse découvrir tout ça.
aujourd'hui, je suis sur l'une des plus belles plages de Pointe-Noire. Je suis à Mbassa. Mbassa, c'est une plage qui est située au sud de Pointe-Noire, un peu avant le terminal de Djeno. Et c'est une plage qui est préservée, qui est peu fréquentée, donc ça donne de très beaux paysages assez sauvages. Et c'est un endroit qui attire beaucoup les surfeurs. Mais justement, la mer peut y être assez dangereuse, donc il faut faire attention aux vagues. Par contre, la mer y est très claire, donc c'est vraiment l'endroit parfait pour venir y pique-niquer ou y passer la journée entre amis ou en famille. Je vous laisse un peu découvrir l'endroit. Aujourd'hui, donc j'espère que vous m'entendez. En tout cas, Mbassa, ça me rappelle énormément de souvenirs d'enfance. Je venais assez souvent ici quand j'étais plus petite parce que j'avais une amie qui avait une case ici. Et non, j'adorais venir ici, mais j'ai failli mourir ici parce que les vagues, franchement, les vagues sont trop violentes parfois. Si vous ne savez pas nager, ne tentez pas parce que les vagues, elles sont trop fortes. Ce que j'adore à la pointe, c'est la tranquillité de l'endroit comparé à la côte sauvage par exemple, où il y a toujours beaucoup de monde parce qu'il y a pas mal d'hôtels et de restaurants sur la côte. Ici, c'est vraiment que des cases environnantes. Il y a quelques restaurants, mais encore très peu, donc c'est vraiment très paisible. Donc comme je le disais, à la pointe indienne, vous verrez qu'il y a énormément de cases au bord de la plage. Les gens en général viennent ici le week-end pour décompresser, souvent en famille ou entre amis. Certaines cases sont très simples, très familiales, tandis que d'autres personnes construisent des maisons en dur, voire des villas, comme cette case par exemple. Regardez-moi ce paysage quand même. Ah, c'est trop bon. Puis la mer est bleue aujourd'hui, franchement.
verrez qu'il y a énormément de stands qui servent du poisson frais, des boissons fraîches, notamment des bières bien tapées comme on dit au pays. Et il y a également une grande sélection de restaurants et de bars, donc vous pouvez venir ici à la pause déjeuner ou en week-end. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le sable ici est très blanc, la mer est bleue, mais malheureusement la côte sauvage est un peu victime de son succès puisqu'il y a pas mal de déchets sur la plage. Personnellement, la côte sauvage, j'y viens jamais pour me baigner parce que je ne sais pas si vous arrivez à voir derrière moi, mais les vagues sont très fortes ici, donc je préfère laisser les vagues aux surfeurs et plutôt aller dans des plages comme à la Pointe Indienne ou Mombasa. Mais c'est un très bon endroit pour venir se relaxer entre amis ou en famille, ou tout simplement venir profiter du coucher de soleil. D'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.